Attends ta sonnette, hein. Allez, Célia! Allez, c'est bien, allez, baisse tes mains. Allez. Ouais, nickel. Et ça roule. Doucement, c'est bien, vas-y. Allez, roule. Non mais ça les motive. Et un temps de 274 secondes et 21 centièmes. On prend les applaudir bien fort, s'il vous plaît, pour les laisser quitter la piste. Et arrive au grand galop face à la gagnée des jeux, l'équipe numéro 43. Ils nous viennent de l'écurie Romain David. Nous accueillons maintenant Célia Bisson. Elle est associée à Randam du jury. Romain David. C'est pas mal. C'est la dernière partante de cette équipe des Ch'ti Poutz. Et bien c'est Célia Bisson et Randam du Chely. Juste après la cloche. Et bien c'est parti. Doucement, Célia. Doucement.
La deuxième, elle fait 20 secondes dernier. Tranquille. Ça va ton corps? Non, ils sont encore au bas. Voilà, tranquille. Lève les pas comme ça, c'est très bien. Il y a encore la ballon, s'il te plaît, la ballon 4. Là, il y a encore une équipe qui attend. Allez, vas-y, Célia. Je pense que c'est pas la fin. Merci, Bonnet. Allez, Célia. Doucement, Célia. Ouais! The Jingle sans faute sur ce terrain numéro 3. Cette fois-ci, c'est pour Célia Bisson et Random du Chenille dans le temps. Oh la vache! Bonne nouvelle! Eh bien, vous savez quoi? Cette équipe, nous la retrouverons tout à l'heure au barrage, puisqu'il y a 300 fautes en sur le terrain numéro 3. C'était pour Célia et Randel du Chenille. On a eu du beau spectacle tout au long de ces 3 jours sur ce terrain numéro 3. Alors, on doit tous les enfants en réalité les deux blessés avant la remise des prix. Vous aurez également un jour d'honneur sur la remise des prix. Vous avez avec nous les champions de France, les soufflés à Élite. Après 2 jours de manche, allez, de finale avec un barrage. Le meilleur gagne de France. Ils sont jeunes, mais très très bons. On en a également les deuxièmes et les troisièmes. Alors on va les avancer. À la deuxième place, c'est les Ch'tibouts. Merci. Ouais. Bravo! Et à la troisième place, la médaille de bronze, TPCAP, Noémie, Chloé, Léane et Chloé. Allez, on va repasser doucement au trou. J'espère que vous êtes le plaisir, les enfants, tout au long de ces 3 jours sur le terrain numéro 3. On va les applaudir encore très très fort, s'il vous plaît. Les meilleurs cavaliers de France, CSO PN, à Élite par équipe. Retrouveront les 10 meilleures équipes de cette épreuve et bien sûr la remise des prix. Donc à suivre les résultats auprès du commissariat général ou sur le site du Generali Open de France.